What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News à propos du jeu GTA V à laquelle je vais vous parler quelque chose d'un peu plus éloigné puisque oui on a eu à peu près des petites choses à propos du nouveau DLC. Je pense que vous avez dû entendre parler par d'autres youtubeurs, donc peut-être pas forcément besoin à ce que je vous redise les choses, ça sert à rien d'écouter de toute façon les mêmes choses. Là je vais vous parler quelque chose d'un peu plus poussé, d'un peu plus visé, c'est à propos des appartements comme indique le titre. Ce qu'il faut savoir c'est que le gameplay, enfin en tout cas ce que vous regardez là sur l'écran, c'est associé à ce que je vous parle en fait, parce que Rockstar ont leaké des images à propos de nouvel appart et à laquelle j'ai pu associer on va dire le paysage de ces photos qui ont été leakées par rapport à une sorte d'immeuble à laquelle on a à peu près la même j'essaie de localiser tout simplement l'immeuble qui a pu être laquelle en fait la photo qui a été prise par Rockstar, l'immeuble qui peut être vraiment associé ou en tout cas être proche de celui-ci en fonction de la vue. Et donc l'immeuble que j'ai pu trouver c'est celui-ci, donc avec la couronne là, c'est une sorte d'hôtel à laquelle je me suis dit c'est peut-être possible honnêtement qu'on puisse retrouver donc dans le mode multijoueur un appartement donc dans Wishards Majestic dans cet immeuble là, parce qu'en fait si vous regardez bien au niveau de la vue, de toute façon je vais descendre de l'hélico, vous avez remarqué que c'est à peu près la même vue, enfin c'est à mon avis c'est la même vue en fait que ce qui a été donné par Rockstar, enfin en tout cas les images qui ont été leakées à propos de nouvel appartement. Donc ça peut être une chose à mon avis, prochainement il risque d'avoir ce genre d'informations, enfin en tout cas ce genre de choses qui risque d'apparaître donc dans la nouvelle mise à jour, c'est à dire à propos le fait d'avoir déjà un peu plus de localisation au niveau des apparts, mais surtout aussi j'aimerais bien, je sais pas si vous en pensez tout ça, donc dites moi si vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires, c'est le fait en fait de customiser en fait finalement nos appartements. Alors customiser peut-être pas vraiment, mais voilà, le fait d'avoir une sorte de mode edit, un peu comme ça m'a fait penser un peu par exemple, je sais pas, vous prenez Far Cry 3, vous savez, avec le mode edit où vous pouvez finalement mettre des établissements ou je sais pas, mettre un peu vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez finalement. Bon, c'est limité quand même le mode de Far Cry 3, mais voilà, un peu du même style, sauf que ici ça sera basé que dans l'appartement, donc dans GTA 5. Et je me suis dit ça peut être pas mal, je sais pas, par exemple le fait de déplacer un canapé ou le fait de mettre une armoire. Parce que c'est vrai, quelque part c'est cool, franchement j'aime bien ce système là, le fait d'avoir son chez soi. Mais finalement le jeu ça fait quand même 7 mois je crois qu'il est sorti, ça passe, voilà, si vous voulez les gens ils prennent l'habitude. Et peut-être le fait de customiser, non, le fait d'éditer en fait nos appartements, je pense que ça peut être une très bonne chose. Mais malheureusement c'est pas officiel, donc à part ces images là qui ont été qui ont été données par Rockstar, à laquelle à mon avis s'il y a des futurs locaux ça sera dans cet établissement là. Et en plus c'est vrai qu'il y a plutôt une bonne vue, et puis on n'est pas si mal placé que ça, on est un peu je crois que c'est on est un peu au centre de Los Santos, un peu plus sur le côté plage je crois. Alors attendez, parce qu'en plus je suis nul en ça, je crois que c'est le côté est de la map. Donc c'est à peu près tout au niveau de ces infos là. C'est vrai que il y en a qui ont beaucoup parlé au niveau de la nouvelle mise à jour, tout ça. Je vais pas me concentrer là-dedans. Moi j'essaie vraiment de me concentrer, de me focus dans d'autres choses qui sont ici. Alors attention, c'est plus de la spéculation, mais à la fois non, parce qu'on a eu c'est bizarre, on a eu des nouvelles images de Rockstar à propos d'appart. Je me suis dit déjà au niveau de la localisation, donc à mon avis s'il y a des nouvelles apparts ça sera ici. Et puis est-ce que finalement ils vont pas créer un DLC qui pue en fait vraiment améliorer tout ça, ça serait vraiment quelque chose. Le fait de rajouter des apparts c'est cool, mais à mon avis il manque une chose, c'est le fait d'éditer en fait. Je demande pas un truc super poussé, mais au moins le fait de pouvoir au moins créer des petits modes, des trucs comme ça. Voilà, merci pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle. Dites moi ce que vous en pensez, tout ça dans la barre des commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine, donc très bientôt pour des nouvelles informations pour vous du jeu GTA 5. Bien sûr. Peace out.